Tu t'es déjà confessé? Bien sûr. Ça te dirait de recommencer? Pourquoi pas? Ben, suis-moi. Jacques Dutronc, mesdames, messieurs. Est-ce que tu es favorable au divorce? Bah, s'il y a eu mariage, oui. Sinon, le divorce, si c'est des papiers, de la paperasse encore, je suis pas favorable. La sexualité hors mariage? La sexualité hors mariage, bah, il faut bien répéter avant le mariage, de toute façon. Et quand on est marié? Bah, ça peut exister, mais si certains ne trouvent pas chez eux ce qui leur manque, bah, ils vont chercher ailleurs. L'homosexualité? C'est pas mon problème, ça c'est... C'est peut-être une solution, je sais pas. Est-ce que tu es favorable à la peine de mort? Oh non, il y a tellement de gens qui sont pour que je ne peux être que contre, tout en précisant que je ne veux pas non plus être dans la catégorie des sadiques qui préfèrent qu'un mec pourrisse pendant 30 ans dans un cachot quelconque. Bien que je peux me mettre à la place de certaines personnes, dont récemment, ils ont eu leur môme de violer, tuer, etc. Effectivement, je ne sais pas ce que l'on peut penser à ce moment-là. Alors, tu affiches un certain cynisme, un certain nihilisme, voire... est-ce que tu as des tabous? Tabous? Des tabous, non. Non, pas vraiment. Il n'y a rien avec quoi tu ne rigolerais pas? Bah, c'est-à-dire que la seule manière de justement ne pas en rire, c'est d'en rire, parce que je crois. Tu crois en Dieu? Bah, je préférais que ce soit lui qui croit en moi, mais... Dieu, c'est un vaste mot, hein. Il faut croire en quelque chose. Tu y crois ou tu y crois pas? À ce vaste mot? Ah oui, il faut y croire, mais... Enfin, Dieu ou peut-être ses disciples, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a sûrement quelqu'un qui nous surveille. Tu penses que tu as un bon père? J'ai une bonne père, mais un bon père, je sais pas.